Bonjour tout le monde, c'est Draco77. Donc en fait c'était pour faire une nouvelle en fait que j'ai trouvé sur internet que donc enfin pour tout le monde comme tout le monde le sait la Legendary Collection 2 va sortir. Pour ceux qui savent pas en fait, vous voyez il y avait déjà eu la Legendary Collection qui était sortie. Vous aviez dedans les trois cartes de dieux égyptiens, donc le dragon et les deux rats, Obélix le tourmenteur et Slifer le dragon du ciel. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça qu'elle avait cherché sur internet, hein, c'est comme on dit les cartes de dieux égyptiens très populaires dans Yu-Gi-Oh! Vous savez, ils avaient plein de trucs. Dans la 2, la Legendary Collection 2, vous avez donc les trois bêtes sacrées, donc Uria, Amon et Raviel. Et donc ça sort donc le 4. Attendez, que je sais pas ce qu'on aurait. 4 octobre. Donc là on est le 14. Et si le compte est bon, c'est dans 20 jours. 20 ou 21. Enfin bon, 3 semaines en gros. Et donc je disais, bon, je sais pas quel prix c'était. Je me suis dit, bon, la Gold Collection, la 4 déjà, bon, il y a 25 cartes dedans, il y a un tapis de jeu avec, je sais plus quoi d'autre. Ça coûtait à peu près 25 euros. Je me suis dit, bon, ça risque de coûter un truc du 650 euros. Et ben j'ai regardé, apparemment, en dollars, enfin, parce que aux États-Unis, ça va à peu près sortir en même temps que nous, et apparemment, ça coûterait 27,99 $. J'ai calculé, enfin, avec Internet, j'ai regardé ça faisait combien d'euros, et ça fait à peu près 20,34 €. Donc, en gros, entre 20 et 20,50 €. Je pense que pour nous, ce sera 21-22 € parce que certains vont plus augmenter. Donc, voilà. En fait, c'est pas si cher que ça. Après, je sais pas si ça va être le vrai prix. Mais bon, je veux dire, c'est le prix d'une boîte métallique, c'est pas très cher, hein, je trouve. Hein. Donc, voilà. Bon, enfin, le vrai nom, c'est Legendary Collection 2, The Duel Academy Years, donc les années de la Duel Academy. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, franchement, faut vraiment le prendre, le truc de Yu-Gi-Oh! Comme ça. Je dirais, c'est collector pour moi. Avec un. En plus, je trouve qu'il est bien le classeur. Enfin bon, soit que celui de Yu-Gi-Oh! La Legendary Collection, le 1 il était mieux, mais le 2 est pas mal. Donc, je dis vraiment pour tous les fans, prenez-le. Surtout que GX, c'est vraiment. Enfin, personnellement, c'est ce que je préfère entre Yu-Gi-Oh! Normal, Yu-Gi-Oh! GX et 5D. Personnellement, je préfère largement GX, même s'il y a des trucs bien dans Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 5D, je préfère GX. Bref, voilà, donc vraiment, je vous conseille d'acheter ça parce que si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, bah, vous tapez Legendary Collection 2, vous trouverez sur Final Yu-Gi ou des sites comme ça. Voilà, donc bye à tous.